Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamo raconte des histoires. Ce soir, nous allons nous attacher à la deuxième partie de l'épopée de Kerhulen, ou plutôt de la légende de Kerhulen. Plutôt que de traiter d'épopée, je préfère parler de légende. J'explique tout en description. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'amour, comment Kerhulen rencontre l'amour, comme je vous l'avais promis. Et ce second volet est tiré d'une histoire qui fait un tout, qui s'appelle The Wooing of Ymir en anglais, donc qui pourrait se traduire par la cour faite à Ever, qui raconte donc comment Kerhulen va séduire Ever. Pour cette deuxième partie, vous n'avez pas besoin d'avoir regardé la première partie pour comprendre, j'ai fait en sorte que tout soit compréhensible. Néanmoins, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder la première partie, il n'y a pas de problème non plus. Sachez simplement quelques éléments. Alors, premièrement, Kerhulen est un grand héros irlandais, c'est un demi-dieu, le fils de Lugh et de Deirdre, une humaine. C'est un très grand guerrier pratiquement invincible qui a la possibilité de rentrer en mode berserk, qui le rend beaucoup plus puissant. Et c'est un héros de l'Ulster, donc l'actuelle Irlande du Nord, puisqu'à cette époque, l'Irlande, on est vers le. Alors les plus vieux textes datent du XIIe siècle, mais en fait ça représente une époque antérieure de l'histoire de l'Irlande. Donc l'Irlande est séparée en quatre royaumes et l'Ulster est le plus au nord. Voilà, c'est à peu près ce que vous devez savoir pour un peu comprendre l'histoire qui va suivre. Alors, commençons. Donc Kerhulen a 17-18 ans et il est très très beau, vraiment d'une beauté époustouflante. Les femmes se retournent sur son passage, les hommes sont un petit peu jaloux de lui parce que vraiment il dégage une grande beauté, et puis dégage une aura assez impressionnante, surtout pour quelqu'un de son âge, à tel point que les hommes commencent à se dire qu'il serait peut-être bon de lui trouver une femme avant qu'il prenne les femmes de tout le monde et les filles de tout le monde. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir le roi Confrovar, le roi donc de l'Ulster, pour qu'il règle le truc. Et donc Confrovar décide d'envoyer différents héros un peu partout en Irlande pour trouver une femme à Kerhulen. Et Kerhulen lui aussi fait partie de ces héros envoyés pour trouver une femme. Alors Kerhulen il va pas n'importe où en fait. Il avait déjà des vues sur une fille, donc qui s'appelle Ever, qu'il avait rencontrée à la cour d'Irlande et qui l'avait bien plu. Donc il se rend directement chez Ever, donc qui est la fille d'un noble d'Irlande. Et il se rend avec son cocher, donc il va à la forteresse où est situé Ever. Et Ever le voit arriver de loin parce que Kerhulen, quand il se déplace, ça fait déjà beaucoup de bruit et puis on le sent venir, quoi. Et il arrive et puis il va parler avec elle. Alors le cocher qui le suit comme son, qui suit Kerhulen comme son ombre, suit Kerhulen. Et là, Kerhulen parle à Ever et le truc, c'est que le cocher, en fait, il comprend que dalle à ce qu'ils se disent. C'est-à-dire que il parle en vieil irlandais, il n'y a pas de problème, le cocher comprend très très bien le vieil irlandais, mais en fait les phrases mis bout à bout n'ont pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas très bien le sujet de la conversation. Ça parle de paysages, puis ça passe sur des histoires de guerriers, puis après ça passe sur des dieux, puis après on arrive, on discute d'un truc qui n'a rien à voir, on parle de tourner de quête à faire la vinaigrette, donc vraiment tout et n'importe quoi, et le cocher il ne comprend pas très bien ce qui se passe, quoi. Bon, il y a juste. Donc, il regarde un peu quand même les façons de s'exprimer de Kerhulen, et puis les regards échangés, etc. Mais même là, il trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, bon, il regarde un peu atterré, il comprend rien à ce qui se passe. Il y a juste un moment, quand même, où Kerhulen, il regarde les seins des vers, et il parle de collines et de vallées. Là, bon, c'est un peu plus clair, mais c'est à peu près tout ce qu'il comprend, quoi. Bon, au bout d'un quart d'heure, la conversation est terminée. Kerhulen retourne chez lui. Et le cocher lui demande, mais Kerhulen, qu'est-ce que tu viens de. Qu'est-ce que c'est que cette conversation qui n'avait ni queue ni tête? Et là, Kerhulen lui répond, non, mais c'est parce que tu ne parles pas le langage de l'amour, mon vieux. En fait, je vais te dire, on parlait en langage codé pour pas que les gens puissent comprendre qu'on était en train de se tourner autour, de flirter, en fait. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez dit? Oh, on s'est raconté nos vies, on a ri, on a pleuré, je lui ai raconté d'où je venais, qui j'étais, elle m'a dit d'où elle venait, qui elle était, ce qu'elle savait bien faire, etc. Et du coup, t'as conclu ou. Ah bah oui, carrément, oui, elle veut très bien m'épouser, il n'y a aucun problème, elle me trouve très beau. Ah bah alors, c'est super. Oui, le problème, c'est qu'elle a une famille qui est assez possessive et.
Bon, elle m'a dit que ça allait peut-être poser problème. Ah bon, d'accord. Donc il retourne à Evin Macha, la capitale de l'Ulster, et Cuchulainn pensait avoir été discret hein, en parlant le langage codé comme ça. Sauf que quand il arrive à la capitale, tout le monde est au courant, tout le monde vient lui dire alors félicitations avec Evin, c'est pour quand le mariage? Tu sais que ses parents ils sont un peu relous, surtout son père là, est-ce que tu penses que ça va poser problème? Cuchulainn il regarde son cocher et le cocher lui dit tu sais Cuchulainn, en même temps un jeune homme dont tout le monde sait qu'il cherche une femme, qui va parler à une jeune femme très belle, d'à peu près son niveau social, qui est célibataire. Bon, quand même, c'est pas très, comment dire, c'est pas très discret, quoi. Hein. Les gens sont quand même au courant. Bon, d'accord. Alors du coup, Cuchulainn se retrouve obligé d'aller voir le père des Verts pour demander la main de sa fille. Sauf que le père des Verts, lui, il est pas très chaud quand même pour Cuchulainn. Déjà, il voudrait la marier à quelqu'un d'un peu plus haut niveau. C'est-à-dire que Cuchulainn, c'est un bon pote du roi Contrevald, le roi de l'Ulster, mais c'est pas non plus un prince, c'est pas non plus un grand grand noble, quoi. C'est un grand guerrier, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour diriger, il n'est pas appelé à régner sur qui ou quoi que ce soit. Donc le vieux là, il réfléchit, il se dit comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me débarrasser de Cuchulainn là, parce que ça me dérange. Je peux pas lui dire non, parce que quand même c'est quelqu'un de dangereux, s'il s'énerve, on ne sait pas ce qui peut arriver. Attends, j'ai peut-être une petite idée là. Cuchulainn va le voir. Bonjour, je voudrais prendre ta fille comme épouse. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Le truc, c'est que je suis pas sûr que tu sois assez costaud pour la protéger, en fait. Comment ça, je suis pas assez costaud? Je suis un des plus grands champions de l'Ulster. Oui, t'es l'un des plus grands champions de l'Ulster. Mais moi, j'attends un peu plus du mari de ma femme. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faudrait que je sois alors? Le plus grand guerrier de l'Europe? Le plus grand guerrier de l'Europe, ça, c'est une bonne idée. D'accord, bah dis-moi comment je fais alors. T'occupes? J'ai une très très bonne idée. Tu vas aller en Écosse voir la sorcière. Skadar. Skadar, je connais pas. Ah, tu devrais la connaître pourtant. Elle entraînait les plus grands héros. C'est vraiment un. Si tu veux devenir le plus grand champion de toute l'Europe, je te conseille d'aller la voir. Bon, ok, allez, on y va. Donc ils font les préparatifs pour partir. Et au moment de partir, il y a quand même Evel qui vient voir son fiancé. Et qui lui dit. Bon, bah, ils se disent au revoir. Hein, c'est assez. Elle a un peu peur pour lui quand même, parce que elle sait que l'Écosse c'est quand même un endroit assez dangereux. On sait pas, elle n'est pas sûre qu'elle puisse en revenir. En fait, pour la petite histoire, le père des Verts a fait exprès de l'envoyer en Écosse en espérant que justement il meure en Écosse, comme ça il sera tranquille. Donc elle est un peu triste, il se voit un peu comme ça. Bon, il se regarde, un peu désolé. Et puis il décide de se promettre chasteté et fidélité. Donc Evert lui dit, je n'aurai pas d'autre homme que toi. Cuchulainn lui dit d'accord. Puis ils partent. Cuchulainn avec quelques-uns de ses amis. Dans l'histoire, apparemment, le roi Contrevald va avec lui. Il y aurait Conall, son frère de lait. Mais bon, c'est pas très très clair sur qui va avec Cuchulainn, puisque de toute manière, à vrai dire, le problème ne se pose pas tellement de qui va avec lui, puisque en moment donné, en Écosse, ils sont pris dans un sortilège fait par une sorcière. Et les amis de Cuchulainn se perdent et se retrouvent, sans qu'on sache très bien comment, ils se retrouvent à la capitale de l'Ulster, à Evin Macha. Et Cuchulainn, lui, continue tout seul son périple. Alors, il se passe plusieurs trucs, hein. Il affronte des lions, des sorcières, etc. Enfin bref, le truc classique du grand voyageur. Finalement, il arrive du côté de là où habite Skadar. Et en arrivant au camp d'entraînement, il voit donc des jeunes en train d'essayer de s'entraîner et il leur demande où est Skadar. Ils lui disent, bah, Skadar, en fait, elle est de l'autre côté du pont là sur l'île. Le problème, c'est que pour y aller, il faut passer par justement ce pont là. Mais c'est un pont ensorcelé, ce qui fait que quand tu arrives au milieu du pont, en fait, il fait un virage à 180 degrés, et tu continues ton chemin et tu te retrouves à ton point de départ. Bah bon, c'est curieux. Bon, je vais voir. Il se rend là-bas. Donc il va sur le pont, et puis arrivé au milieu, effectivement, le pont fait demi-tour, et il se retrouve à son point de départ. Bon, il comprend pas bien, il y retourne parce qu'il espère voir un peu le piège, peut-être qu'il y a un secret ou un truc à découvrir pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il arrive au milieu, rien n'y fait, il se retrouve à son point de départ. Donc là, il commence un peu à s'énerver, il se décide de se dire, bah, écoute, je vais aller à toute vitesse, et puis avec un peu de chance, j'arriverai à le hacker, le truc. Donc il va, il court, 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 enfin il arrive à la terre ferme, mais en fait, il a son point de départ à nouveau. Alors là, il voit rouge, là, gros problème. Il fait quelques pas en arrière, et il court, il court, il court, et il saute, il fait un saut de l'ange! En fait, on peut pas vraiment dire que c'est un saut de l'ange, parce que dans la culture irlandaise, les anges, bon, on appelle ça le saut du saumon. C'est moins classe, mais bon,
ça représente à peu près la même chose. Donc il fait le saut du saumon, il arrive au-dessus des nuages, il redescend, il arrive sur la terre ferme, et effectivement, il est de l'autre côté de l'île. Enfin, de l'autre côté du pont. Bon, alors il est tout content, il continue son chemin, et puis il voit, effectivement, il trouve Skadar qui est en train d'entraîner ses deux fils. Donc il voit Skadar qui a à peu près la quarantaine, qui est plutôt une jolie femme, bien proportionnée, assez musclée. Bon. Il va la voir, il essaie de lui parler, et elle lui indique une maison à côté, où il pourra aller pour se restaurer et se reposer. Donc il se rend dans cette maison, il frappe à la porte, toc toc toc, on lui ouvre. Là, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, plutôt jolie, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas Evel, hein, mais elle est plutôt mignonne, qui le fait entrer, bon, qui l'installe, qui lui prépare tout, etc. Le problème, c'est que, en fait, elle regarde toujours en bas, vers le bas. Elle le regarde jamais dans les yeux, elle regarde limite ses pieds. Bon, on pourrait se dire qu'elle est timide, mais Kurulen, il est pas dupe, il sait très bien quand il plaît à une femme, et là, il sait très bien qu'il lui plaît. Bon, le problème, c'est que Wadar, en fait, elle est déjà mariée. Puisque c'est Wadar qu'elle s'appelle. Et Wadar, c'est la fille de Skadar. Oui, Wadar, Skadar. Bon, ça, c'est facile pour s'en rappeler. Alors le soir, Wadar fait à manger, tout le monde est réuni à table, elle apporte le plat, oui, la nourriture dedans. Et Kurulen, sans qu'on sache très bien comment, ni pourquoi, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas, il attrape le plat et en même temps, il attrape le doigt de Wadar et il le casse. Il casse son doigt. Wadar hurle. Là-dessus, c'est branle-bas de combat, il y a le mari de Wadar qui arrive, qui est vénère, qui lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait à ma femme? Tu vas le payer ?» Il commence à prendre les armes, Kurulen prend aussi son arme, et c'est parti pour un combat. Alors, là c'est le premier combat de cet épisode de Kurulen, mais bon, grosso modo il est quand même déjà vachement balèze, il est pratiquement invincible. On connaît à peu près, quand il y a un combat entre Kurulen et quelqu'un, on connaît à peu près... l'aboutissement, c'est-à-dire que l'adversaire de Kurulen va mourir, la seule question c'est combien de temps il va tenir. Et ben là, en fait, en face, il se défend pas si mal, le mec. Hein. Bon, il tient pas plus de 5 minutes, mais c'est déjà pas mal 5 minutes contre Kurulen. Hein. Donc il finit trucidé. Il se trouvait qu'en fait, pour expliquer qu'il soit si fort, c'est juste qu'il s'était entraîné avec Skadar. Donc là, Kurulen, il se dit, ah, quand même, ça doit être pas si mal l'entraînement de Skadar. Parce que c'est pas souvent que je rencontre un mec aussi balèze. Donc voilà, une fois qu'il a tué le mari de Wadar, Wadar lui tombe dans ses bras. Ah, bah voilà, c'est bon, l'affaire est réglée. Maintenant que je suis célibataire, nous allons pouvoir nous mettre ensemble. Et là-dessus, ils commencent à vivre maritalement. Donc c'est-à-dire qu'ils dorment ensemble, etc. Hein, vraiment comme mari et femme. Oui, je sais, c'est une drôle de façon de séduire les femmes. On verra qu'il a d'autres façons de séduire des femmes pas beaucoup plus, orthodoxes. Mais bon, je vous ferai une petite explication plus tard sur pourquoi est-ce qu'il est en trucidant le mari de Wadar, il se retrouve avec la femme qui lui tombe dans ses bras. On verra ça plus tard. Donc, le temps passe un peu, et puis, le problème, c'est que Skadar, elle a peur de vouloir entraîner Kurulen. Kurulen, il se rend dès le lendemain avec ses armes et tout, prêt à s'entraîner, etc., mais en fait, elle le snob complètement. Mais elle fait ça plusieurs jours. Au bout d'un moment, quand même, Kurulen, il finit par dire à Wadar, je comprends pas, là, elle refuse que je m'entraîne, on dirait qu'elle m'ignore, comment est-ce que je peux faire pour la convaincre? Ah, bah, j'ai une petite idée, vas-y, dis. En fait, je crois qu'il faut que tu mettes ton épée entre ses deux seins, et là, elle t'accordera tout ce que tu veux. Ok, d'accord. Donc le lendemain, il s'y rend, dégaine son arme. On sent un peu une légère tension. Hein. Lui-même, il est assez tendu, quoi. Il se dit, bon, je sais pas qui est-ce que j'ai en face de moi, peut-être qu'elle est vachement balèze, vaut mieux que je méfie. Donc on sent que le combat va être un peu costaud. Il arrive, il tend son épée, tout doucement, et puis d'un seul coup, il accélère. Et il se met son épée entre les seins de Skadar sans que celle-ci ait eu la moindre réaction. Il est un peu surpris, mais Skadar lui dit « Félicitations, tu as réussi ce test. Dorénavant, tu seras mon padawan. » Et voilà comment l'entraînement de Kurulen commence. Pendant ce temps, en Irlande, le père des Verts a réuni un certain nombre de... fait une fête dans laquelle il a invité... le fils du roi de Munster. Munster est un autre royaume d'Irlande. Rien à voir avec le fromage, hein, je vous rassure. Donc le garçon est plutôt séduisant, plutôt joli. Il sent pas le fromage, hein, y a pas de problème. Hein. Quand même, Evel, elle l'ignore royalement. Quoi. Elle l'ignore royalement. Bon, elle répond, elle est polie, quoi, mais sans plus. Il finit par lui dire, qu'est-ce qui se passe, je te plais pas, et tout. Et elle lui dit, non, mais c'est parce que j'ai juré fidélité à Kurulen.
Kurkulen? Attends, c'est pas le mec qu'on appelle l'homme fou de l'Ulster? Oui, oui, c'est lui. C'est le mec qui a déjà battu une centaine de gars en combat à mort, en duel, tout ça. Oui, lui-même. Ah! 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 Ok. Bon. Écoute, je crois que le nord, là, le vent du nord, ça me convient pas. Je sais pas si tu vois, je suis un peu pris, là. Je crois que je vais rentrer chez moi, hein. D'accord, hein. Ok, d'accord, rentre. Donc le mec se carapate chez lui, hein. Parce qu'il a aucune envie d'avoir affronté Kurkulen. Pendant ce temps, en Écosse, donc là c'est Eyes of the Tiger, Kurkulen est en train de s'entraîner dur avec Skadar, elle lui apprend toutes les techniques avec les noms d'animaux particuliers, donc le saut du saumon, etc. Je les ai pas notées toutes, mais bon, c'est des noms assez, assez rigolos. Et arrive le moment où l'ennemi juré de Skadar arrive pour en découdre avec cette dernière. Elle s'appelle Ife. C'est une femme aussi, à peu près de l'âge de Skadar. Dans certaines versions, c'est sa sœur. Dans d'autres versions, c'est juste une autre femme. Et là, Skadar, elle n'emmène pas large. Hein, parce que Ife, bah, c'est peut-être elle la plus forte de l'Europe, en fait. La plus forte guerrière de l'Europe. Elle est vraiment invincible. Vraiment, personne n'a réussi jamais à ne serait-ce que la blesser, quoi. Kurkulen, il veut en découdre. Il se dit, vas-y, je vais me la faire, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas très... Skadar, elle n'est pas très chaude. Elle lui dit, bon, attends, viens, on va boire un verre, et puis on en discute. Et pendant qu'ils boivent le verre, en fait, elle met une potion dans son verre à Kurkulen en espérant que ça le fasse dormir pendant 24 heures. Comme ça, la bagarre aura été terminée et Kurkulen n'aura pas eu à se battre contre Ife parce qu'en fait, Skadar avait peur que Kurkulen se fasse tuer par Ife. Sauf que manque de bol, la potion qui est censée durer 24 heures, bah, sur Kurkulen, ça a duré à peine une heure. Il se réveille frais comme un gardon et il est prêt à aller au combat. Donc, il s'y rend, direct. Il voit les deux fils de Skadar prêts à en découdre avec trois frères qui sont alliés à Ife. Lui, pas de problème, il se jette dans la bataille, il trucide les trois gars avant même que ses camarades aient eu le temps de ne serait-ce que d'attaquer. Vas-y, Kurkulen, t'abuses là, pour une fois qu'on pouvait rigoler. Ah, désolé, moi j'ai pas de temps à perdre, moi. Où est-ce qu'elle est, Ife? Ils continuent, ils affrontent un deuxième sous-boss. Cette fois, ils sont encore trois adversaires, donc contre Kurkulen et ses deux potes. Et pareil, Kurkulen. Prêt à en découdre, d'un seul coup, hop là, il est trucide les trois, et voilà, c'est terminé. Bon, il a vaincu les deux sous-boss, ok, maintenant je crois qu'il va pouvoir passer au boss, donc là, il va affronter Ife. Mais avant ça, quand même, il retourne un peu chez Skadar, parce que déjà c'est la fin de la journée, et puis bon, il s'agit toujours de se restaurer un peu, d'aller au point de sauvegarde, tout ça, avant d'affronter le boss final, hein. Grand classique des jeux vidéo, il n'y a pas de problème, on sait très bien comment ça fonctionne. Ok, tu vas, machin, point de sauvegarde, machin, et puis... Avant d'y aller, il lui prend une idée comme ça, subite. Il va voir Skadar, il lui fait « Tu la connais bien, Ife ?»« Ah oui, quand même, oui, je la connais bien, oui. »« C'est quoi ce qu'elle préfère ?»« Pourquoi cette question, tu veux lui offrir un cadeau ?»« Non, juste comme ça, pour savoir. »« Bah, elle, ce qu'elle préfère, je crois que c'est son char, le conducteur de son char et ses chevaux. »« C'est vraiment ce à quoi elle tient le plus. »« Ok, d'accord, ça marche. » Donc il se rend sur le champ de bataille, il descend de son char, Ife descend de son char. Il se regarde, face à face. On sent le vent. Tout est calme. On dirait que les nuages se sont arrêtés de bouger. Comme si on attendait quelque chose. Il dégaine son arme. Elle dégaine son arme. Et c'est parti. Il se jette dans la bataille. Alors au début, comme tout bon grand guerrier, hein, il commence un peu par se tester l'un l'autre. Hein, voir ce que l'autre est capable de faire. Donc ils sont pas à fond, mais ils essaient des petites bottes, etc. Et Kurkulen, il voit que quand même en face de lui, c'est... Bah, c'est peut-être la première fois qu'il affronte quelqu'un d'aussi balèze, quoi. Parce que, à chaque fois, il essaie des bottes, mais elle part les attaques sans aucun problème. Au bout d'un moment, il commence à augmenter son niveau, mais elle est vraiment en mode genre Néo dans Matrix, tu vois. Elle part avec un seul, avec juste son bras, comme ça, comme si de rien n'était, limite, elle pourrait lire un bouquin pendant ce temps-là, aucun problème, quoi. Kurkulen, il commence à s'énerver, il se dit, ok, d'accord, on va passer aux choses sérieuses, il passe en mode berserk, là, et il se jette à une vitesse inouïe. En essayant de la voir. Donc il va à toute vitesse, il donne des coups d'une puissance phénoménale, et bah, Ife, elle part les coups un petit peu moins facilement quand même. Là, cette fois, elle s'y met vraiment sérieusement, mais toujours, rien n'y fait, vraiment, Kurkulen est à fond, et Ife, bah, elle fait sérieusement, mais elle est pas non plus... Elle transpire pas beaucoup, quoi. Mais à un moment donné, Kurkulen voit une ouverture au niveau du flanc de Skadar. Il fait une attaque éclair. Il va la voir, mais Ife met son épée, bloque l'épée, et l'épée se brise. L'épée de Kurkulen se brise.
Il regarde son moignon d'épée, c'était quand même l'épée du roi contre Rovar à l'origine, hein, donc c'est pas une épée, c'est une épée vachement solide, quoi. Là, il se dit, c'est la merde. Et effectivement, il se profite de l'ouverture, elle se jette sur lui, elle attaque à toute vitesse, et Kourkoulen, il part, tant bien que mal, mais, ah, il recule, il recule, il recule, il prend des estafilades par-ci, par-là, il sait que là, il sent son heure arriver. C'est alors qu'il utilise sa botte secrète, la plus vieille technique au monde et l'une des plus efficaces en combat. Il lui fait, oh regarde ton char, il est tombé dans un trou. Là, Skada, il se retourne et Kourkoulen en profite, l'attrape, la fait passer par-dessus sa tête et la jette violemment au sol. Puis après, il se jette sur elle, à genoux, il prend son épée, son moignon d'épée, et il met son épée entre ses deux seins. Épargne-moi. D'accord, mais accorde-moi trois souhaits. Vas-y, dis. D'abord, tu vas arrêter ta bataille contre Skadar, ensuite, tu vas coucher avec moi et enfin, tu porteras mon enfant. Ok, deal. Ils passent la nuit ensemble, ok, ils couchent ensemble, elle-même arrête donc déjà, fait la paix avec Kadar, ils passent la nuit ensemble, le matin elle lui dit, bah écoute, je suis enceinte. Oui, elle avait des dons de prophétesse, hein, comme toute grande guerrière qui se respecte, elle avait des dons de prophétesse. Au bout d'un moment, donc il va voir Skadar qui lui dit, bah écoute, maintenant que tu as vaincu Ifeu, j'ai plus rien à t'apprendre, t'es devenu beaucoup plus fort que moi, donc félicitations, ton entraînement est terminé, tu es probablement le plus grand guerrier de l'Europe. Bah, Kourkoulen, il est content, donc il va retourner chez lui. Il fait demi-tour. Attends, Kourkoulen. Oui, quoi? Tiens, prends cette lance. Elle s'appelle Gaibolga. C'est la plus belle lance, déjà, et la plus puissante lance probablement de la planète. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Bah, déjà, elle peut transpercer tout et n'importe quoi. Ouais, pas mal. Et ensuite, une fois qu'elle a transpercé quelque chose, elle se divise en 30 branches, et ça fait de la bouillie dans le corps de ton adversaire. Ah ouais, c'est chouette, ça. Bon, bah, merci. Allez, à plus. Et là, il rentre chez lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Wadar? C'est vrai que quand on y pense, Wadar, ok, il vivait maritalement, et puis après il couche avec Ifeu. Qu'est-ce qu'il a fait de Wadar? Dans l'histoire, on parle plus de Wadar. Donc, on va supposer qu'il l'a largué comme une vieille chaussette, hein? Puisque, apparemment, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très. Hein. Je vous rappelle qu'il avait promis une fidélité, chasteté et tout blabla à Ever. Hein. Donc, bon. Donc, il rentre chez lui, comme ça. Il dit au revoir à Ifeu, et Ifeu lui dit, mais ton fils, comment ça se passe? Ah oui, c'est vrai, mon fils. Tiens, prends cet anneau. Tu lui donneras cet anneau, il portera cet anneau. Oui. Et tu vas lui dire que quand il aura 7 ans, bah, il viendra en Irlande, en Ulster. Et il viendra me voir, mais sans dire son nom. Ah bon, d'accord. Qu'il affronte les grands champions, qu'il montre qu'il est vachement costaud, et puis je le reconnaîtrai. Bon, ok. Bon, tu veux pas non plus lui donner ton numéro de téléphone, ce serait peut-être plus pratique. Mon numéro 2? Non, pardon, excuse-moi, j'ai un peu d'avance sur mon temps. Juste une dernière question, ouais. Comment je dois l'appeler, ton fils? Parce qu'apparemment, j'ai pas le choix, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de choix. Ah oui, pardon, tu vas l'appeler Kandla. Ok, d'accord. Là, donc, Kourkoulen rentre en Irlande. Bon, il affronte des lions, des sorcières, etc. Pas de problème, il prend le bateau, il retourne en Irlande. Là, il va direct à la forteresse où est située Wabi Tever. Sauf que quand il arrive à la forteresse est complètement bloquée, ils ont fermé, tout est barricadé, etc. Là, il se dit, ah non, mais là, je suis en train de me faire entuber, là. Pas de problème, petit saut du saumon, il arrive au-dessus des forteresses, et là, les mecs se jettent sur lui. Or là, Kourkoulen, en un rien de temps, il les a tous massacrés, mais vraiment, il massacre tout le monde. Genre, tous les soldats qui l'affrontent, même les frères des Verts, il les massacre, les domestiques qui voulaient aussi se battre, il les massacre, vraiment tout le monde. Il n'y a que le père des Verts qui ne massacre pas, parce que ce dernier, en fait, lâche qu'il est, il s'est jeté par-dessus les remparts et, manque de bol, il n'est pas dans Game of Thrones, il s'est écrasé comme une vieille chaussette par terre, il en est mort. Là, Ever se jette au cou de Kourkoulen, oh non, héros! Et il se marie et n'auront pas d'enfants. Mais en tout cas, c'est comme ça que Kourkoulen arrive à séduire Ever. Ouais. Ah ouais, quand on y réfléchit, il a quand même des drôles de façon de séduire les femmes. Hein. Soit il tue le mari, il casse le doigt, soit juste il l'affronte en combat, il lui fait un petit coup en loose day comme ça pour un peu la tromper et il finit par l'avoir. Soit il massacre la famille et il a la personne. C'est totalement logique. Bah ouais, c'est totalement logique en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là c'est un petit bonus, en fait quand on y réfléchit, c'est juste cette histoire, c'est juste presque un manuel de séduction. Je vous explique le truc. En fait, il faut prendre ça comme des métaphores, comme la séduction comme une métaphore d'un combat. On le voit bien avec Ifeu, en fait, pour séduire Ifeu, bah, ce combat, ils prennent le combat, la séduction comme un combat au pied de la lettre, c'est-à-dire que
un vrai combat, mais en fait, il faut y voir derrière la symbolique de juste un homme qui séduit une femme. Une femme qui est, alors une femme particulière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... C'est une femme non vierge et non mariée. Bon, donc c'est une façon de séduire la femme non vierge et non mariée, et même, il va même jusqu'à utiliser la ruse pour la voir, comme dans certaines formes de séduction. C'est pas forcément conseillé, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fait. Pour la femme mariée, donc Wada, ce qu'il fait en fait, c'est juste, bah, on voit déjà la symbolique de casser le doigt. Je sais pas si un anneau de mariage était porté au doigt en Irlande ou en Écosse, chez les Celtes, mais en tout cas, on voit quand même un peu la symbolique du casser le doigt pour un peu casser son alliance avec son mari. Et il tue le mari pour encore une fois casser l'alliance avec de la femme avec le mari. Donc, tout simplement pour séduire une femme mariée, il faut se débarrasser du mari d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est au combat, mais en fait, on peut aussi le tuer symboliquement par la parole. Et enfin, la femme qui est vierge et pas mariée, bah là, on voit très bien la symbolique. En fait, c'est pas tant qu'il faut la subjuguer elle, mais il faut surtout se débarrasser de la famille. Donc, en fait, la sortir du cocon familial et donc d'une certaine façon tuer son environnement d'origine. Donc, on voit bien que ça, en fait, c'est juste trois façons de séduire les femmes. Et on les voit, c'est mis sous l'angle du combat, mais en fait, faut voir ça comme des métaphores. Voilà, cette histoire est terminée. Attendez, je vois votre désarroi là. Oui, je vous ai pas parlé de Condna, qu'est-ce qui lui arrive? Bah écoutez, c'est assez simple. Une fois qu'il a 7 ans, il se rend en Ulster. Donc là, il affronte différents champions, il les bat tous, etc. Sa réputation commence à monter. Ça arrive même jusqu'aux oreilles de Kerguelen. Oh, tu sais, il y a un mec qui est vachement balèze, là, un petit gamin de 7 ans. Vraiment, il a massacré tous les champions là. Tu devrais peut-être aller l'affronter, ça pourrait faire un beau combat. Ah ouais, d'accord, ok, pas de problème. Donc il se prépare à aller au combat, mais il y a Ever, elle est pas chaude quoi. Elle dit, tu sais, je la sens pas cette histoire-là. Non, mais t'occupes, pas de problème. Quand même, hein, je me suis entraîné avec Skadar, bon, il n'y a personne qui peut me vaincre. Ouais. Arrive le moment du combat entre ce jeune homme, Kerguelen. Et il se lance dans la bagarre. Kerguelen n'a pas l'air de le reconnaître. Hein. Ils se battent, ils se battent, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Au bout d'un moment, quand ils finissent tous les deux par se mettre en. Enfin, Kerguelen en tout cas se met en mode berserk. Et là, en face de lui, l'autre se met en mode berserk. Alors, tout le monde qui regardait le combat est très surpris. C'est la première fois qu'on voit deux personnes en mode berserk se battre. Et le combat est d'une intensité et d'une férocité colossale. Depuis feu, Kerguelen, il n'avait pas affronté quelqu'un d'aussi fort. D'ailleurs, tellement fort que même quand Kerguelen arrive à lui porter des coups, bah, ça lui fait rien au gamin. Au bout d'un moment, il commence à se dire non, mais je peux pas perdre devant tout le monde là, c'est pas possible. Il finit par prendre sa lance, Gaebolga. Il la lance contre son adversaire, ça lui transperce. Ça se multiplie en 30 fois et l'autre tombe agonisant. C'est la première fois que Kerguelen utilise Gaebolga contre quelqu'un. Hein. Bon. Là, il va voir son adversaire et c'est là que. En sortant de son mode berserk, il voit l'anneau autour du doigt du gamin. Et là, Kerguelen, il comprend. Il comprend que ce gamin-là qui vient de tuer, en fait, c'est son gamin à lui. Il le prend, il l'emmène. Le gamin meurt dans ses bras. Il l'enterre, il fait une cérémonie. Et là, Kerguelen, il y a quelque chose qui change chez lui. Il se ferme d'un coup. Il devient plus, moins causant. Plus sombre, plus secret. Et c'est ce Kerguelen-là qu'on verra dans la prochaine aventure de Kerguelen, où on verra comment, à lui tout seul, il affronte une armée. Donc c'est 300, mais version genre, vous les 300, vous êtes 300 contre des mecs, moi je suis tout seul contre d'autres. Donc c'est la version 300 un peu particulière. Voilà, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez liker, bien sûr, hein, un pouce vers le haut, ça peut toujours faire du bien. Vous pouvez aussi vous abonner, ça c'est important, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais je suis sûr que bientôt vous serez des dizaines de milliers. Et aussi, enfin, peut-être le plus important, partager sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Twitter, pour faire connaître ce travail si vous pensez que d'autres personnes méritent de connaître ces grandes légendes et grandes histoires du monde entier. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures!